Et nous avons et demandons l'assistance du Saint-Esprit. Let's ask for the assistance of the Holy Spirit. Le sang de l'agneau. And let's call upon the blood of the Lamb. Que ce sang nous aide. And that blood helps us. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. On peut s'asseoir. We may be seated. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la vie de l'apôtre. I want to bless the name of the Lord for the life of the apostle. Roger qui nous donne l'opportunité de partager sa chair. Apostle Roger that gives us the opportunity to share the word. Merci pour la vie de maman Laure aussi. And also thank you for the life of Mama Laure. Bien cet temps nous fait du bien avec les enseignements. That for a while now gives us good feelings with her teaching. Amen. Amen. Nous sommes dans le monde où nous parlons de la sanctification. We are in the month of sanctification. Nous allons parler de la sanctification. And we're going to speak about sanctification. Alors, toutefois que moi je prends un enseignement, je tourne ça toujours dans l'esprit du prophète. And every time I make a teaching, I turn it into the spirit of the prophet. Et donc, je voulais que on se dispose pour ensemble partager encore un petit enseignement, une petite exhortation sur la sanctification. So I want us to be made available to share this teaching on sanctification. Donc, si nous allons dans le sens littéral, être sanctifié, c'est être purifié. In the literal sense, to be sanctified is to be purified. De devenir pur, c'est ce que je veux dire. Become pure. Et donc, je vais l'appliquer à la prière, puis nous allons prier tout à l'heure. And I'm going to apply it with prayer, and then we're going to pray later on. Ça vient d'une expérience que j'ai vécue. It comes from an experience that I experienced. Vous savez, quand tu es né et puis tu as tes parents qui ont les possibilités de t'aider, il y a des choses que tu n'as pas vécues. Il est facile de critiquer quelqu'un qui n'a jamais eu de père, qui doit traverser seul pour les avoir. It's easy for you to criticize those who do not have parents when you grew up with parents because you do not know how what they're going through to have whatever you have. Par exemple, toi, tu as ton père et ta mère qui ont bien travaillé, qui ont les possibilités, t'ont mis à l'école, ils t'ont éduqué, t'ont aidé à réussir. For example, you have your father and your mother that discipline you, that put you in school, and that help you to succeed. Et tu as réussi. And you have succeeded. Tu es devenu chrétien. You have become a Christian. Donc, il y a des analyses que tu peux faire. So there are some analyses that you may do. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas vécues. Because there are things that you didn't go through. Mais quand une personne. But one person, orpheline, an orphan, qui n'a pas de père, that has no mom, pas de mère, and no dad. Mais des fois même les parents sont là mais qui peuvent rien. Sometimes the parents are even there but they can't do anything. Et la personne s'est battue avec la vie. And the person struggled with life. Pour y arriver. To make it. Souvent c'est à ce carrefour que se trouve la différence. Sometimes it's at that junction that the difference is found. Et ces gens là. And those type of people, il est difficile de les percevoir. It's difficult to perceive them. Mon interrogation était comment est-ce que eux font pour y arriver aussi. And my question is how do they do to make it? Maintenant, je vais prendre notre exhortation dans le livre de Job 1. So we're going to take our text from the. Lisons le livre de Job 1 à partir du verset 1. For the book of John. Job. Oh, Job. Job. Job chapter 1. Job 1. Job 1. Job 1. À partir du verset 1 au verset 12. From verse 1 to 12. Il y avait dans le pays d'Uz. In the land of Uz. Un homme qui s'appelait Job. They lived the man whose name was Cet Job. Cet homme était intègre et droit. This man was blameless and upright. Il craignait Dieu et se détournait du mal. He feared God and shunned evil. Il naquit sept fils et trois filles. He had 7 sons and 3 daughters. Il possédait 7000 brebis. And he owned 7000 sheep. 3000 chameaux. 3000 camels. 500 paires de bœufs. 500 yoke of oxen. 500 ânes. And 500 donkeys. Et un très grand nombre de serviteurs. And had a large number of servants. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. He was the greatest man among all the people of the Ses East. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. His sons used to take turns holding feasts in their homes. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. And they invited their three sisters to eat and drink with Et them. Quand les jours de festin étaient passés, when a period of feasting had gone Job its course, appelait et sanctifiait ses fils. Job would send and have them purified. Puis il se levait du bon matin early in the morning, et offrait pour chacun d'eux un holocauste. He would sacrifice a burnt offering for each of them. Car Job disait, thinking, peut-être mes fils ont-ils péché
et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Perhaps my children have sinned and cursed God in their heart. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. This was Job's regular custom. Voici custom. Une partie de la Bible qui m'a beaucoup impressionné. This is one part of the Bible that has astonished me the most. Voici les enfants qui péchaient. These are the children that sin. Et Job sait que ses enfants péchaient. And Job knows that his kids are sinning. Il avait peur que Dieu se fâche contre ses enfants. And he was scared that God is going to be mad at his children. Et en tant que père, and as a father, il faisait des sacrifices. He made sacrifices. Il sanctifiait ses enfants. He sanctified his kids. Pour ne pas que Dieu se fâche contre ses enfants. So that God would not get mad at them. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il a pris coutume de faire. And that is what was in his habit. Alléluia. Amen. Au verset 6, la Bible dit. Verse 6, the Bible says. Les fils de Dieu vinrent un jour. One day the angels se présentaient devant l'Éternel. Et Satan. One day the angels came to present themselves before the Lord. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. And Satan also came with them. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? The Lord said to Satan, Satan where have you come? À l'Éternel, Satan answered to the Lord. De parcourir la terre et de m'y promener. From roaming through the earth and going back and forth. L'Éternel dit à Satan, then the Lord said to Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Have you considered my servant Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. There is no one on earth like him. C'est un homme intègre. He is blameless, droit, and upright, Dieu, a man who fears God, du mal. And shuns evil. Et Satan répondit à l'Éternel. And Satan said to the Lord, to est-ce the Lord, d'une manière désintéressée, does, que Job craint Dieu? Does Job fear God for nothing? Ne l'as-tu pas protégé? Have you not put lui a hedge around him tout ce qui and his household and tu everything béni he has? De ses mains. You have blessed et the work of his hands so pays. That his flocks and herds are spread. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient. But stretch out your hand and strike everything qui he te has. En face. And he will surely curse you to his to your face. Satan, the Lord said to voici Satan, tout ce qui lui appartient. Very well then, everything he has in his seulement in your hands. Ne porte pas la main sur lui. But on the man himself, do not lay a finger. Et Satan ne se retira de devant la face de Dieu. Then Satan went out from the presence of the Lord. Amen. Amen. C'est juste une méditation que je veux partager avec chacun de nous. It is just a meditation that I want to share. Sur la façon de faire de Job et la manière dont Dieu a traité Job. On the way that Job acts and the way that God treats Job. J'ai vécu des expériences avec les hommes à l'église. I've been through experiences with men in the church. Et toute fois que je fais des analyses, souvent j'observe. And every time that I make analysis and I observe. Souvent particulièrement au niveau des mamans. Especially at the level of moms. Je trouve souvent qu'il y a des mamans qui ont l'habitude de critiquer facilement les enfants des autres. I see that moms have the ability to criticize other people's children easily. Mais quand tu vas chez ces enfants, but if you go to those kids' house, il y en a aussi. They are also. Mais quand tu veux toucher à ces enfants, but when you want to lay hand on her kids, elle défend ses enfants. She defends her own mais child. Mais quand elle veut parler des enfants des autres, but when she wants to talk about other people's kids, c'est les plus mauvais de la terre. That's like the worst kids on earth. Souvent chez les mamans. Si sometimes les as a mom, if you pay attention, those moms. Moms usually have that reaction, but the dads. Ils attaquent, même si c'est leur propre enfant. Dit, tu n'es pas, c'est parce que tu fais pas bon. Mais la maman a souvent l'habitude de protéger son enfant. But the mom is always protecting her own child. Et donc, quand j'ai fait ces analyses, je me so, pose des questions. When I analyze this, I ask myself questions. Est-ce que mystérieusement il y a pas quelque chose? Maybe ça chez les chrétiens. Mysteriously there is something. Les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, j'ai vu ça. I saw it among Christian great men and great women of God. Et ma réponse se trouve ici. And my answer is found in here. On parle de la sanctification. We are speaking of sanctification. Qui sanctifie? Who sanctifies? Qui purifie? Who purifies? Qui justifie? And who justifies? Comment faire pour s'en sortir? How do you do to get out of it? Parce que nous tous qui sommes ici, on sait que le péché n'est pas bon. Because all of us sitting here know that sin is not a good thing. Nous tous nous savons que le péché n'est pas bon. We all know that sin is not good. Celui qui pêche, and that he who sins, c'est la mort qui l'attend. And death is a wasting him. Chez toi. So when you sin, death is at your door. Death in your la business. Mort dans tes projets. Death in your project. Death in everything donc you le do. Le péché est venu pour nous tuer. So sin is here to kill us. Mais là Dieu dit. Now God says.
que Job lui, il s'arrangeait pour ne pas que ses enfants pêchent. That Job was making sure that his children would not sin. Maintenant, il fait l'effort que même s'il pêche, and il now, doit poser des actes pour que ses enfants soient sanctifiés. He puts in an effort that if the children sin, he plays an act so that his children can be sanctified. Mettez Job à la place de Dieu. Put Job at the place of God. Et nous, les enfants de Dieu. And us, the children of God. Mais malgré ça, but despite all of that, partout les enfants de Dieu, everywhere that the children of God were found, the devil was there. Mais qu'est-ce que le diable vient faire? But what is the devil there to do? Il trouvait une occasion pour accuser. He found an occasion to blame. Il trouvait une occasion pour accuser. He found an opportunity to blame. C'est là que notre exhortation va être intéressante. That is where our teaching is going to be interesting. Il trouvait une occasion pour accuser. He finds an occasion to blame. Tu sais que les chrétiens sont les accusateurs sans s'en rendre compte. You know, Christians are they blame others without even noticing it. Des accusateurs par excellence. We blame people with excellence. Et nous avons pris l'esprit d'accusateur sans savoir. And we have taken the spirit of blaming people without knowing. La Bible dit que Satan est le père des accusateurs. The Bible says Satan is the father of those who blame others. Donc lui est venu pour nous accuser. So Satan came to blame us. Et quand on accuse quelqu'un, on doit condamner la personne. So when you blame someone, you're condemning the person. Donc l'objectif du diable, c'est en t'accusant que tu sois condamné. So the objective of the devil is when he blames you, you are supposed to be condemned. Donc des fois beaucoup de chrétiens. So sometimes many Christians do not make any exploits because as soon as you kneel down, the devil is sending to you all your problems. He's sending you mails of all your sins. You are kneeling down for 30 minutes. 25 minutes you are just crying. Oh, Dieu, oh Lord, je sais que tu peux pas, I know you cannot answer me. J'ai péché. I have sinned. Et toi-même, tu es découragé. And you yourself, you're discouraged. Bon, you say, okay, la prochaine fois. I'm going to ask it for the next time. Je dois préparer mon cœur. I have to prepare my heart. Pour moi, une semaine comme ça. For a week now. Pour que je sois agréable. So that I can be pleasant for God to answer me. Alors, pendant une semaine où tu es en train de te préparer. So, why, in during the 1 week you're preparing yourself, travaille. The Satan is working. Et dans ta pensée, and in your thoughts, tu es accusé. You are blamed. Suivez-moi bien. Listen to me very well. Des fois même nous qui sommes des enseignants. Sometimes us that are teachers. Il y a des témoignages, des bénédictions qu'on te dit, mais tu ne peux pas avoir ça. There are some testimonies and blessings that you are being told you cannot have ça. It. Because you did this, ton père a fait ça, and your father has done this, and your mom did this, ça, and your children have done ne that, pas. You cannot. Donc, quand tu finis de réaliser ça, and so tu when you realize all of that, you tell yourself, c'est même pas la peine pour moi. It's not even, it doesn't take anything. It's not worth tu it. Remets en cause. And now you go back in time and you put everything together. Something that I'm going to recall to you this morning. Brothers and sisters in the Lord. Apostle Paul says. That whatever I do not want to do. That is what the flesh pushes me to do. And the Bible says. That we are born in a sinful nature. So what does that mean? The day even you came out of the womb. You came out a sinner. Alléluia. Amen. Tu vas vivre dans ça là jusqu'à ce que and Jésus you're going to live in that sin till Jesus comes. Jésus va te sauver. And when Jesus tu saves you, you're going to have a new body and a new body. But how do we as Christians, vivre, how can we live des exploits, and make exploits dans cette poche de pécheur, in that pocket of a sinner? Quelque chose se passe. There's something that is la going on. Dit the Bible says que Job ferait les sacrifices that Job made sacrifices pour purifier ses to enfants, purify his children. To sanctify enfants. His children. Parce qu'il savait que ses enfants because péchaient. He knew that his children were sinning. Voilà ma fille. This is my daughter. Elle a que peut-être, elle n'a même pas encore 18 ans. She's not even 18 yet. À 7 ans, l'enfant a ses réactions. À 7 ans, l'enfant a ses réactions. In this time, the child has his... Non, 7 ans, 7. Oh, 7. At 7 years old, the child has his reaction. At 14, the child has his own reaction. At the 21, the child has its reaction. Il y a des choses que je vais lui demander qu'elle ne peut pas faire parce que c'est les choses de son âge. There are some things that I can ask her to do and then she can't do because of the things of her age. Ou bien. Amen. Même si elle est chrétienne. Even if she's a Christian. Alléluia. Amen.
Elle va avoir un âge où elle va avoir des réactions. She's going to be at the age where she's going to have reactions. Je ne peux pas faire autrement. And I cannot do otherwise. Qu'est-ce que je peux faire alors? And what can I do then? Je ne veux pas que Dieu la détruise. For so that she cannot be destroyed. Est-ce que vous me suivez un peu? Are you following me? Job était dans cette situation. But Job was in that situation. Où le diable accusait ses enfants. Where the devil was blaming his kids. Prenez cet exemple. Take this example. Le diable n'accuse pas les enfants. Ses enfants, lui. The devil does not blame his own kids. C'est le cas des mamans qui défendent les enfants. It is the case of the mom that defends the children. Quand vous regardez bien dans le monde, when you look well in the world, les gens qui commettent des abominations, people that commit abominations, des péchés terribles, terrible sins, quand on les présente à la télé, when they are presented on TV, c'est des gens bien. It is good people. Parce que c'est le monde qui les présente. Because it is the world that presents them. So they present the children very well. Et nous, and then us. Qui va nous défendre comme who une is mère going to defend us as défend a mom that defends her kids? C'est là que Jésus dit, that is where Jesus je said, bâtirai mon église, I shall build my church, qui est la mère, which is the mom, de tous ceux qui vont se donner, of whoever is going et to c'est l'église qui va défendre, and is the church that et is going to defend them. Et le séjour de mort point contre cette the kingdom of darkness shall amen not prevail. Et Dieu nous dit ici, and Jesus tells us here, puisque Job fait son sacrifice, so Job is doing his sacrifices pour purifier ses enfants, to purify his kids, moi aussi, me too, je vais faire un sacrifice. I'm going to make a sacrifice. L'objectif pour lequel the objective for which Dieu a sacrifié son fils, God sacrificed his son, ce n'est pas d'abord pour que tu sois riche. It's not for you to be rich. La Bible dit, voici l'agneau. The Bible says this is the qui lamb ôte le péché du monde. That takes away the sin from donc, the earth. Donc le sacrifice de Jésus. So the sacrifice of Jesus c'est pour enlever la nature pécheresse. Is to remove that sinful nature. Donc si Jésus est mort so à la croix, Jesus died on the cross, c'est pour nous enlever le péché. To remove sin. Amen. Donc la mission de Jésus, so the mission of Jesus, c'est de nous purifier, is to purify us, pour qu'on soit juste devant so le trône, so that we can be upright in front pour of the throne, pour que tout le monde voit que tu te mets à genoux, so every time you kneel le down, le diable n'a plus raison pour t'accuser, the devil cannot accuse you parce anymore, parce que même si tu fais des efforts, because even if you put in an à effort, à cause que tu es dans une nature pécheresse, because of the fact that you are in a sinful nature, you're going to sin. Bon, voilà l'autre fois. So the other time, avec mon grand frère, I was with my other brother. Bon, il est le seul garçon parmi ses femmes. He is the only man, male in his family among his. Bon, elle le fatigue dans la maison. In among the females, and they tire him in the house. Et je vois Manu qui a fait une réaction. And I see Emmanuel that puts up a reaction. Mais Manu ne sait pas que en dehors de ce qu'il soit son père, c'est un point. But Emmanuel does not realize that. Other than the fact that he is her dad, he is an anointed. Et que Dieu peut se fâcher, la punir. Dieu s'en fout de ce que ça soit sa fille. Dieu s'en fout. God can take him and punish her Dieu because God does not look. God does not look in the fact that it is her daughter. He looks at his principles. J'ai réprimé nous sur place. And I amen told Emmanuel at attention that point, say, pay attention. Tu parles pas à un homme. Tu parles à un homme de Dieu. You're not talking to a man. You're talking ça to a man of God. It can turn against you. Vous voyez? Do you see it? Et si le sang de Jésus n'est pas là, and if the blood of Jesus is not pour there, nous aider, to help us, nos enfants, our kids, notre vie, our lives, tout va mourir dans notre everything main is going to die in parce our que hands malgré nos efforts, because despite our efforts, il y a quelque chose qui se passe. There is something that is happening. Comment nous devons faire? How must we pour do sortir nos enfants, to take out our notre children, maison, our house, notre travail, our job, et l'accusation, from being blamed. Mes frères et sœurs, my brothers le diable doit arrêter de nous accuser. The devil has to stop blaming us. Nous devons nous lever. We have to stand up Satan, and tell Satan. Jésus a payé le prix. Jesus has paid the price. Il nous a sanctifié par son sang. And he has sanctified us by his blood. Comment le faire? How to do? Pour how do you do that? Droit. To take that right. Et Job n'a rien fait. And Job did not do anything. Et Dieu prend la vie de Job pour faire un jeu de pion. And God takes the life of Job to play with it. Dieu n'a pas demandé la permission à Job. God did not ask for Job's permission. Pour lui dire, mon serviteur, to tell you, my servant, je viens de faire un deal avec I just did made a deal with Satan. Si tu vas t'éprouver. So you're going to be put in, apprête-toi. You're going to put on test, so be ready. Tu vas subir des choses. You're going to come across things. Dieu n'a rien dit à Job.
God did not say anything to Job. He just had his contract with Satan. And the game began. Even Job that was righteous, that made his sacrifice, he found himself in trouble. Sometimes the righteous can find themselves in the hands of the devil. Just not because they sin. And God tells him, I'm going to see if Job himself, I'm going to see if Job loves me. That's why a Christian, despite whatever you come across, you have to remember that someone paid the price for you. If Job had put his heart on his sacrifices, on his efforts to be sanctified, he's going to say, it's not normal, God. I have been righteous. I have been upright and blameless. I made sacrifices. How can you let my kids die? How can you destroy me? Job said, God has given and God has taken. And to him be all the glory. Just look very well. How can righteous people, pure people, find themselves being maltreated by the devil? Juste parce que Dieu just because God veut tester leur foi. Wants to test their faith. Donc, quand tu rentres dans une situation, so when you are in a situation where God is testing your faith, pay attention to what the world tells les amis you. De Job se sont présentés. The friends of Job presented la femme themselves. De Job s'est présentée. The wife of Job presented herself. Dieu t'a abandonné. Say, God has forsaken you. Tes péchés t'ont rattrapé. And your sins have come and found you. Les péchés de tes enfants t'ont rattrapé. And the sin of your children has come and found you. Dans les problèmes. And today you are in trouble. Frères et sœurs, brothers and sisters, si nous ne nous souvenons pas, if you do not remember, du prix que Jésus a payé à la croix de Golgotha, Christ paid on the cross. Le monde va nous dire un jour. The world is going to tell us one day. Tes erreurs t'ont rattrapé. Oh, your errors came back and met you. Sa femme lui a dit. The wife, his wife told Dieu him. Meurt. Curse God and die. Sinon. If not, y a plus de villa, there's no more de voiture, no more mansions and no moi, more cars. I'm old and our children died. Vaut mieux mourir. It's better to die. Combien de fois des gens, how many times do people un chrétien, or a Christian tu as analysé ta vie, you have analyzed your life Dieu, to tell God, quel que soit ce qui va m'arriver, despite what happens to me, je garderai la foi. I am going to keep my faith. Je ne changerai pas les paroles. And I will not change my word. Je ne dirai pas une mauvaise parole. And I am not going to say a bad word against you. Je n'accepterai pas que le and I'm not going to accept that the devil says that you, God, you are not true. Cette étape de sanctification, this stage of sanctification, c'est là où tu arrives à comprendre. This is where you understand que ce ne sont pas tes efforts. That is not your efforts. C'est la grâce de Dieu. It is God's grace. Et que tu commences à dire à Dieu, and you start saying, fais-moi God, grâce. Give me grace. Et Job, and Job a resté dans la plaie. Stayed in pain. Qui aidait les gens. Him that was helping people. Éminent de, éminent de l'Orient. The man, the most pleasant in the East. Il se retrouve sur un dépotoir. He's found on dépotoir. Trash. He's found on the trash. Tout le monde l'a abandonné. Everyone has forsaken him. Vous savez quoi? You know what? Il arrive des moments dans votre vie. There's sometimes in your life. Que tu sois bon chrétien ou pas. Be it that you're a good Christian or not, it's going to happen. C'est une autre étape. It's another stage. Où tu arrives. Where you come. À gauche, y a personne. You turn left, there's no à droite, one. Y a personne. And you turn right, there's devant, no one. Y a personne. And in front,